Bienvenue, bienvenue sur le plateau de TV Service. Oui, votre quotidienne préférée tous les jours, midi et demi, 17h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et souvent, ben voilà, de certaines choses que vous faites, souvent que vous avez à avoir à faire, mais vous ne le savez pas. Par exemple, le syndrome de l'imposteur. Savez-vous ce qu'est le syndrome de l'imposteur? Non? Ben ça tombe bien. Parce que pour en parler, je reçois l'une de mes chroniqueuses préférées. Et oui, elle est là sur le plateau. Je sais que vous la kiffez aussi. Marie Létain, bienvenue. Bonjour Stalé, bonjour. Les téléspectateurs de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Dominica. Il l'a dit pour moi, chouette. Je vais me taire pendant toute l'émission, comme ça il répondra aux questions qu'il va se poser lui-même. Ah, exactement, je suis comme ça. Ah non, pas du tout, au contraire, tu sais très bien que c'est l'inverse, parce que là, tu vas nous éclairer sur le syndrome de l'imposteur. Oui. Et tu me disais, la fois où je t'ai eu au téléphone, que ça n'a rien à voir avec l'imposteur en lui-même. Est-ce que c'est ça? Non. Non, tu ne m'as pas dit ça. Non, non, je confirme, oui, je t'ai dit ça, mais je t'ai dit effectivement non, ça n'a rien à voir avec l'imposteur, en fait, non. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un doute maladif concernant la propriété de nos réalisations, de ce que l'on fait de bien. D'accord. C'est-à-dire, on doute de ce que l'on est, de ce que l'on fait. En fait, on ne se sent pas légitime dans nos accomplissements. D'accord. On va développer ça ensemble. Mais est-ce que c'est déjà négatif? Ça veut dire que, est-ce qu'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas forcément se montrer tel que l'on est et donc cacher une part de soi? Et donc, est-ce que tout ça, c'est un côté négatif? Ou est-ce que c'est plus une peur que l'on a? Et dans ce cas, c'est pas trop négatif, c'est plutôt désolant pour nous. Alors, la peur, pour moi, est toujours négative. Négative, la peur c'est toujours négative en fait. Mais le syndrome de l'imposteur en fait c'est une façon que l'autre a de se cacher. C'est-à-dire il part du principe que un jour on va découvrir que ce qu'il dit être n'est pas tout à fait vrai. En fait, okay. C'est faux. C'est faux. Donc oui. Ce qu'il dit, ce qu'il pense être ne pas tout à fait vrai est faux. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, il a tendance à se diminuer, à se déprécier. Il a sa propre valeur, ses réalisations, pour lui, eh bien, c'est dû à des circonstances extérieures. C'est la chance. Ah tiens, c'est parce que je connais Stylé que je suis... non, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai. Je suis chroniqueuse à TV. En fait, il ne s'approprie pas ses réussites. Voilà. Ses victoires. Il ne se laisse toujours grâce à... Il réussit à un examen. Oh, mon Dieu, quelle chance j'ai eue. Je suis tombée exactement sur le sujet que je savais. Ben non, mais attends, il connaissait au moins, sur lui, s'il y avait 30 sujets, il en connaissait au moins la moitié. Voilà, c'est qu'il a révisé un minimum. Mais est-ce qu'on a toujours ce syndrome de l'imposteur dès la naissance ou est-ce que c'est un syndrome qu'on attrape un petit peu comme la grippe au cours de sa vie? Ça peut être les deux. C'est-à-dire, okay. Si vous avez un enfant, tout le temps, il fait quelque chose, vous lui dites qu'il n'est jamais à la hauteur, eh bien, il va partir, alors que ce qu'il a fait est bien, il va partir avec ça, il va grandir avec cette idée de lui. Parce qu'en fait, c'est une idée que l'on a de soi. Ce n'est pas le regard extérieur. Souvent, on peut dire que certaines personnes n'ont pas confiance en elles parce qu'elles regardent l'extérieur, n'ont pas d'estime d'elles parce que, bon, c'est l'extérieur qui... Mais lui, non. Lui, c'est lui qui se déprécie. Okay. Donc, c'est peut-être tout petit parce qu'on l'a déprécié. Ouais. Donc, il a pensé qu'il n'avait pas de valeur, surtout qu'il n'avait pas de valeur, mais aussi que ce qu'il fait n'a pas de valeur. Okay. Donc, il ne se reconnaît pas dans ses réalisations. Et après, bon, évidemment, comme le Covid-19, ça peut s'attraper. Excellent. Très, 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 très bonne comparaison. Et justement, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui a ce syndrome? Est-ce que déjà, d'un point de vue extérieur, on peut reconnaître une personne? Mis à part la dévalorisation qui va se donner tous les jours, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut voir chez cette personne? On ne les reconnaît pas, justement. Non. Ça, c'est, on va dire, ça fait, la personne, elle souffre de cela. Parce qu'en fait, on ne les reconnaît pas. Waouh, Stalé, qu'est-ce que tu es beau avec cette chemise. Oh, merci. C'est l'écran master. Merci, mais je le pense. Mais l'autre, il va te dire, ah ouais, mais tu sais, bon, je l'ai payé pas... Ouais, je l'ai eu pas cher dans un magasin master. Et voilà. Oh, mais qu'est-ce que tu es beau. Non. Non, non, c'est parce que tu as mal dormi, tu vois mal aujourd'hui. Ok, voilà, je vois exactement. Le truc, d'accord. Donc en fait, c'est que la personne, elle ne prend pas conscience de sa propre valeur quelque part et qu'elle est quelqu'un. Elle se reconnaît dans ses réalisations. Okay. Et encore, quand on lui dit que ses réalisations, c'est génial ce que tu as fait, ben, c'est toujours grâce à autre chose. Hein. Ok. Donc en fait, elle a tendance à se déprécier.
Et est-ce que c'est pas, on en parlait encore une fois en antenne, est-ce que ce n'est pas justement le fait que souvent la société met la barre tellement, surtout avec les réseaux sociaux, où on voit tout le monde nous montrer un petit peu, on va dire, leur réussite, alors que peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'on se base sur ça, et que donc on se met là par rapport à ce qu'on voit. Est-ce que ça aussi, ça peut accentuer notre syndrome de l'imposteur? Je pense que cela pourrait accentuer le syndrome de l'imposteur, mais moi, c'est moi qui le pense. Cependant, d'accord, quelqu'un qui ne souffre pas du syndrome de l'imposteur va regarder la situation. Bon, il faut que je sois sur les réseaux sociaux pour pouvoir toucher mon public. Il faut que je sois comme ça, pas de souci. Maintenant que c'est comme ça, je vais agir de telle manière pour pouvoir coller, correspondre à ce que la société attend de moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Okay. Tandis que celui qui souffre du syndrome de l'imposteur va souffrir de mettre ça en place. Mais oui, parce qu'il va dire, ouais, mais ce n'est pas moi, je suis en train de tricher, on va découvrir que je triche, etc. Parce qu'en fait, sa grosse peur, c'est que l'on découvre qu'il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Alors là, on le tue à lui demander de faire ça. Parce qu'en fait, déjà, naturellement, il met en doute ses compétences. Okay. Il met en doute sa propre valeur. Il met en doute tout ce qu'il fait. Ok, d'accord, je vois. Sa peur tout le temps, c'est qu'on découvre en fait qu'il n'est pas ce qu'il dit être. Alors qu'en fait, il l'est vraiment. Donc il se reconnaît dans ses réalisations et pas dans ce qu'il est à l'intérieur de lui-même en fait. Mais là encore, c'est fatigant pour quelqu'un à chaque fois d'avoir cette peur. Est-ce que là encore, on va même faire de l'extra? Est-ce que ça n'apporte pas des maladies? Je sais pas, à force de, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui nous pousse à l'intérieur du ventre à force de trop réfléchir et se cacher. Est-ce que le syndrome de l'imposteur peut amener des maladies plus graves? Alors, on va rebondir donc sur la première question que tu as posée. Bon, la peur. Donc, dans ce cas-là, franchement, la peur, elle n'est pas du tout bonne. Et elle crée du stress sur cette personne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Soit elle joue l'auto-sabotage pour prouver effectivement je n'étais pas à la hauteur. Donc, elle va mettre en place, on va dire, des comportements pour faire en sorte qu'elle puisse échouer par rapport à la demande qui lui a été faite d'une réalisation quelconque. Okay. Soit elle va bosser pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé et dire, ah oui, j'ai réussi, mais c'est grâce à. Ok, d'accord. Donc et, la peur, elle est toujours en fait cette personne sous tension. D'accord. Mais justement, mais donc, tout ça, à un moment de notre vie, on a été comme ça. Ouais, mais justement, j'allais te poser la question, est-ce que finalement, on n'a pas tous ce syndrome de l'imposteur un petit peu en nous? Oui. tous en souffrent plus ou moins bien. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a, il y a du travail à faire sur soi, augmenter son estime de soi déjà, et travailler sur sa confiance personnelle. Mmh. Mais il y a effectivement un travail à faire. Ok. Et justement, quel type de travail est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'on se soigne? Est-ce qu'on peut guérir du syndrome de l'imposteur? Oh, c'est pas une maladie. Ah ben oui, quand même, hein, parce que moi je trouve que ça fatigue hein, à chaque fois de se rabaisser, compagnie, d'avoir peur qu'on découvre que finalement, on n'est pas celui qu'on est. C'est fatigant tout ça. En fait, le syndrome de l'imposteur, on l'appelle aussi le syndrome de l'autodidacte. D'accord. Voilà, c'est celui... Le syndrome de l'autodidacte. L'autodidacte, oui. Si vous faites des recherches, vous le trouverez aussi sous ce terme-là, de l'autodidacte. Alors, il y avait une chose que je voulais dire qui est très important concernant le syndrome de l'imposteur et qui va peut-être parler à certaines personnes qui vont vraiment ressentir ce que j'ai envie de dire. Voilà. Certaines personnes se trouvent des fois dans des milieux. Ouais. Alors, une étude qui a été faite avec, je crois, c'est sur un site canadien que je l'ai trouvé. Certaines personnes qui viennent de milieux en... pas défavorisés, mais de milieux on va dire simples. Voilà. Voilà. Etc. Et qui vont faire des études. Et, par exemple, de médecins, de médecine, des études de médecine, ou autres, hein, ingénieurs, etc. Et qui se retrouvent avec d'autres personnes, des milieux beaucoup plus favorisés, fils de médecins, fils d'avocats, fils de ci. Et lui, il est fils d'agriculteurs, ou voire même de femmes de ménage. Ouais, donc, il va avoir l'impression de ne pas être dans son milieu et va développer le syndrome de l'imposteur. D'accord, je vois, ok. Voilà, donc je ne suis pas à ma place et un jour on va découvrir que... Le problème c'est que, allez, bon, on n'est pas du même milieu, mais il devient médecin, il devient ingénieur, il devient chercheur. Et à l'intérieur de lui, il garde toujours cette espèce de peur de ne pas être à la hauteur. À sa place, en fait. Voilà, exactement. Alors qu'en fait... Il a travaillé pour être là. Voilà. Il a tous les droits, il a toutes les connaissances, il a le potentiel pour être là. Voilà, mais il s'identifie en réalité à ses origines, à ci, à ça. Donc, c'est...
Okay, il faut, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Contrairement à ce qu'on pense, on peut voir des personnes, des politiciens, puisque c'est la période maintenant. Oui, c'est la période. Parlons-en. Voilà, exactement. Okay. Qui peuvent se cacher derrière, on va dire, les compétences, derrière... Ouais. Comment on va dire ça, le succès d'autres, okay, pour d'accord. pouvoir se mettre en avant. Ils vont prendre la réputation, de quelqu'un d'autre, voilà, pour pouvoir se mettre en avant. Okay. Donc on peut dire que ces personnes-là souffrent quelque part du syndrome de l'imposteur parce que eux, ils ne s'appuient pas sur leur propre valeur. Voilà, je suis, mais je suis derrière. Je sais. Uh-huh. C'est donc, derrière. Voilà. Okay. C'est grâce à, et si je suis là, je peux. Ok, oui. D'accord. Donc, en fait, alors que la personne, si elle ne souffre pas de ce syndrome, de cette, ouais. Voilà, de cette peur de se mettre en avant, elle va se mettre en avant par rapport à ce qu'elle, elle est. Donc, le syndrome de l'imposteur, méfiez-vous des personnes qui peuvent donner l'impression d'être très confiant, très ci, très ouais. ça. Enfin, quand je dis méfiez-vous. Méfiez-vous, j'aime bien parce que ce tout le monde personnes... va regarder son collègue. Est-ce que tu as vraiment les compétences pour être là où tu es? Voilà. Alors qu'en fait, les compétences, bon, c'est moi qui décide. Okay. Si je ne les ai pas, je vais les chercher. Mais l'imposteur, lui, c'est lui qui décide qu'il ne l'est pas. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que ce syndrome peut nous empêcher d'avancer dans notre vie de tous les jours? Mais on se dit par exemple qu'on ne mérite pas une promotion dans son boulot, ou que voilà, ou même si vous avez envie de draguer une fille et puis vous dites non, elle n'est pas de ma catégorie et tout, je ne mérite pas cette femme, est-ce que quand même ça peut nous empêcher d'avancer? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Donc ah tu oui. vois que c'est grave, il faut se soigner. C'est pas une maladie. Mais il faut effectivement une thérapie ouais. ou un accompagnement dans ce sens-là, s'avère nécessaire pour okay. pouvoir, on va dire, parce qu'il y a des tests. Avant, il y a des tests quand même. Hein. D'accord. Il y a des tests, on fait le test, etc. Et à partir de là, on va sur le degré d'imposture. Okay. Donc, okay. voilà. Oh, et à ce moment-là, voilà, oui, le degré d'imposture. Et à ce moment-là, effectivement, oui. C'est ça pas peut... une maladie. Voilà, il y a une maladie. Oh. Non, c'est pas une j'ai maladie. J'ai réussi, je l'ai fait dire, c'est que vous l'avez dit. Non, non, c'est pas une maladie. À ce moment-là, ouais. effectivement, on peut accompagner la personne pour qu'elle puisse travailler sur elle et on okay. va dire atténuer cette souffrance et se donner sa propre valeur. Okay. Parce qu'il y a des séances d'hypnose qui existent spécifiquement sur le syndrome de l'imposteur. Ah, donc là aussi, on peut avoir recours à l'hypnose? Ah oui, oh, ben, oui, parce que ce sont, en fait, si tu veux, ce sont des failles ouais. qui ont été introduites dans notre inconscient, de manière inconsciente. On va dire ça. Voilà. Donc, faut aller travailler le truc de là où il est. Il est okay. dans l'inconscient, même si la personne, elle ne veut pas se dévaloriser, même si elle ne veut pas se prendre comme moins que rien, comme tu disais, ah ouais, mais je n'ai pas mérité cette promotion. Voilà. Je n'ai pas mérité, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette promotion? Les autres reconnaissent sa valeur, lui, il ne reconnaît pas. Bon, écoute, il faut faire un travail sur soi. Donc, c'est que la personne, d'une part, elle pense qu'elle n'est pas à la hauteur, ouais. et si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, c'est que tu ne reconnais pas tes réalisations. Donc, il faut... Voilà, il existe, hein, séance d'hypnose sur la peur de ne pas être à la hauteur. Okay. Et le syndrome de l'imposteur. Et ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, si très bien. Temps, vous pouvez aller voir Marie. Parler... Non, non, mais si j'ai le temps, je ouais. peux parler d'une expérience. Hein. Ah ben oui, ah voilà. vas-y, très voilà. intéressant. C'est une expérience qui n'est pas personnelle, mais c'est une expérience en cabinet. Donc, j'avais un client ouais. et, qui devait tenir une formation. Ouais. Et c'est la première fois que le client allait faire cette formation. Donc, il y a ce problème de légitimité. Je ne me sens pas légitime. Ok. Voilà. Et c'est surtout ça, hein, le problème de légitimité. Donc, je ne me sens pas légitime. Oh, et la personne, elle arrive, elle me dit, mon Dieu, tu sais, j'ai une boule là, et tout comme ça. Je vais faire cette formation et je ne me sens pas. Et je lui dis, bon, écoute, on va faire une petite séance sur le syndrome de l'imposteur. OK. Ah bah, trois quarts d'heure après, elle me dit, mais là, non, cool. Je n'ai plus cette boule et je suis sûre de moi. Et elle m'a appelé quelques jours après, elle me dit, Marie, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Donc, en fait, okay. oui. Ça va marcher, donc comme quoi, il faut aller voir Marie Létain, eh oui. Ah non, mais ça fonctionne. Hein. D'accord. Ah oui, ça, si vous avez une peur pour réaliser, parce que vous ne vous sentez pas légitime, vous souffrez ouais. de ce syndrome, parce qu'effectivement, souvent des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, comme moi par exemple, hein, j'ai fait une reconversion professionnelle, je n'étais pas du tout dans les thérapies BRF depuis ouais. 10 ans. Donc, j'ai accumulé un tas de je peux dire, ouais, mais celui qui est psychologue, qui est ci, qui est ça, bon, il a plus la légitimité que moi. Ouais, ça, c'est vois. La question s'est posée. Hein. Ok. Eh bien, en faisant mon travail sur moi, j'ai autant de légitimité parce que je suis allée apprendre, etc. Je me suis formée et j'ai les compétences pour. Okay. Mais souvent, eh bien, on ne le voit pas comme ça. On ne le voit pas comme ça et
on recule, on procrastine. D'accord. Et dans la procrastination, en fait, on ne réalise pas. Tout à fait. On ne réalise pas. Exact. Ou alors, on saute au dernier moment. Et au dernier moment, eh ben, auto-sabotage. Et oui, parce que ce qu'on aurait pu faire pendant les 15 jours là où on te dit, tu viens voir styler, il faut bosser sur ça, tu ne le fais pas parce que tu as peur, exact, etc. Qu'on découvre que tu n'es pas légitime pour parler de ça, eh ben, tu le fais au dernier moment et hop, tu t'auto-sabotes. Alors, est-ce tu confirmes. Est-ce qu'il y a aussi le syndrome, je sais pas, du survivant, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui décède et que nous on reste bien vivants, on se dit c'est bizarre quand même. Cette personne-là est morte et moi je suis là toujours. Ça peut être bon, je te dis ça parce que j'ai vu un film de guerre justement, il revenait de la guerre et donc ses collègues soldats étaient morts et donc lui il se dit mais qu'est-ce que je fais et tout. Est-ce que là aussi ça se rapproche un petit peu du syndrome de l'imposteur ou c'est totalement différent? J'ai entendu parler de cela, ouais, effectivement, mais je pense que je vais très sincèrement, je vais m'appliquer à... Ça sera le prochain thème de la chronique. C'est possible, parce qu'en fait, ouais, quand tu as des accidents de voiture... Des accidents de voiture, voilà, si j'ai pas de salaire, ouais, moi je suis allé dans les films de guerre, voilà, alors qu'accident de voiture, et que tu es le seul survivant de la voiture. Et il y a aussi, ouais, il y a aussi les... Comment je vais dire ça? Les attentats. Oui, exactement. Ouais, moi je suis allé très loin. Non, mais effectivement, c'est accident de voiture, voilà, c'est un petit peu plus proche de nous, effectivement. S'il y a 4 personnes dans une voiture, il y a une seule qui survit, est-ce que ça se rapproche du syndrome de l'imposteur? Et puis il y a aussi les autres quoi, qui peuvent rester handicapés. Moi je suis bien. Exactement. Donc je vais m'intéresser. Et ça, il y a des souffrances derrière cela, exact, aussi. Exact. T'as vu, je t'ai lancé sur la prochaine chronique. Ah oui, mais moi je suis quelqu'un. En tout cas, qui touche la psychologie humaine, ça m'intéresse. Et, mais en tout cas, Sim, parce que tu nous as parlé d'hypnose, et apparemment ça marche, surtout si on veut aller tester de nouvelles formations. Donc si maintenant les téléspectateurs et bien sûr téléspectatrices veulent te contacter, est-ce que tu as Facebook, Instagram, un compte personnel, Hotmail, un numéro professionnel, oui. Et bien sûr, elle va même vous faire un petit test que je ne vous montre pas longtemps parce que c'est son test à elle. Attention, oui, il faut aller dans son cabinet. Oui. Moi, je l'ai fait, mon collègue l'a fait et finalement, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Alors, vas-y, balance-toi parce que tu es connecté sur les réseaux. Balance-moi, je te balance d'abord. Je te balance. Il n'a pas fait le test. Oh, encore. Voilà, on peut même plus avoir de secret ici. Voilà. Mais il m'a promis qu'il allait le faire, mais qu'il ne va pas me donner les résultats. Exactement, parce que non, ça reste pour moi. Parce que j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai peur de ne pas être compétent. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est personnel. Ouais. C'est-à-dire, vous faites votre test et les résultats, vous les avez évidemment, on les discute s'il y a un travail à faire là-dessus. Mais c'est personnel, on ne va pas aller dire ouais ou alors. Bon, non. Enfin, eh oui, voilà, t'as vu, j'y sais, t'étais pas obligé de nous donner tes résultats. Eh oui, on t'a couillonné. En tout cas, nous, on va donner donc tes réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux. Alors, c'est Facebook, format concept thérapie, format santé, okay. Concept thérapie. On tombe directement sur, que ce soit Instagram, Facebook. Donc, mon site internet www.guadeloupe-reiki.com. Là, vous avez toutes les infos concernant toutes les thérapies et les accompagnements que je fais. Cool. Et mon téléphone 06 90 63 52 27 pour me joindre à tout moment. À tout moment, sauf quand je suis en consultation, mais je rappelle toujours. Voilà, bien entendu. Voilà, vous avez tout. Tout s'est affiché et voilà. Merci encore d'être venu nous parler du syndrome de l'imposteur et je t'attends pour l'autre chronique qu'on a déjà balancée et tu m'appelles pour me dire si t'as tout trouvé. Merci à toi en tout cas. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.